La situation de la recherche sur le cancer est sûrement une situation privilégiée. Vous avez d'une part l'Institut national du cancer qui est chargé de la mise en œuvre des programmes et du financement sur projet. D'autre part, vous avez l'Institut thématique cancer de l'Alliance qui, lui, est chargé de coordonner les actions des chercheurs, de coordonner les structures et les infrastructures. Le directeur de l'Institut Cancer Recherche, de l'Institut national du cancer recherche et le directeur de l'ITMO Cancer est une même personne, ce qui facilite la fluidité et les interactions entre les deux systèmes. Tous les partenaires de l'Alliance ont une activité cancer, que ce soit l'INSERM, le CNRS, le CEA, les universités, les hôpitaux et au-delà, l'Institut Pasteur, l'IRD, l'INRIA, l'INRA. Tout le monde participe à l'effort de recherche sur le cancer. Il y a une spécificité quand même dans le domaine du cancer, c'est que la recherche déborde ce cadre-là, puisqu'elle envahit les champs de la physique, de la chimie, notamment de la chimie du médicament, mais également les sciences humaines et sociales, les technologies pour la santé. Et donc il y a un réel effort de coordination à faire pour animer ce réseau qui comporte plus de 4 000 chercheurs, médecins, techniciens, ingénieurs, etc. Donc il y a vraiment un effort de coordination à mener, des financements qui sont très spécifiques et qui sont relativement importants, auxquels se surajoutent, au-delà des crédits d'infrastructure, le financement sur appel à projet de 75 millions d'euros annuels, des appels à projet de l'INCa. Le plan cancer 2009-2013 introduit la recherche au premier plan. À la différence du précédent, quelques particularités dans ce plan concernant la recherche. La recherche fondamentale, là encore, reste une priorité. Trois grands thèmes ressortent de ce plan. Le premier, c'est l'accélération du transfert des résultats de la recherche fondamentale vers les patients, à la fois dans les domaines de prévention, de diagnostic précoce et dans la thérapeutique. Le deuxième point porte sur la réduction des inégalités sociales face au cancer. Pour cela, il faut avoir un effort de recherche qui mobilise l'ensemble de la communauté des chercheurs pour comprendre ces inégalités et mettre en œuvre des actions de recherche pour essayer de les combattre. Et le troisième aspect porte sur la compréhension des interactions entre l'environnement et la santé. En particulier le cancer dans le cas précis, ce qui impose là encore, de mobiliser l'ensemble des acteurs de la recherche pour comprendre les risques faibles, comprendre les risques faibles cumulatifs, afin de proposer des actions de prévention et de diagnostic précoce.